Bonjour la famille, je m'appelle Carole Ramirez, je suis colombienne et j'habite à Bogota, la capitale. Je suis professeure de langue et maintenant je travaille dans une école en enseignant l'espagnol comme deuxième langue et le français pour les plus petites. Et c'est super chouette. Aussi, j'adore me promener avec mes chiens, j'adore bien sûr faire des gâteaux et j'adore les bugs. J'ai la chance d'avoir ma famille, ma mère, Laura, mon père Carlos et ma soeur, ma grand-mère et mes chiens, ainsi mes amis du lycée. Quand même, j'étais bénévole pendant 19 mois en France, en Belgique et au Luxembourg. Oh, j'ai connu beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes de tout le monde. Quand même, je suis professeure et j'ai la chance de travailler avec les petits-enfants et de les apprendre les langues, aussi l'espagnol ou l'anglais ou le français aux plus petites. Aussi, j'ai pu voyager beaucoup parce que j'adore visiter des endroits et j'adore regarder la nature. Et c'est une belle expérience de vous présenter un peu de ma vie. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant ma routine, ma journée en fait, le télétravail et le confinement et qu'est-ce que je fais avec les élèves. Maintenant c'est tout virtuel donc ça va changer un petit peu. Je me réveille à 7h, c'est-à-dire 6h, pour sortir avec les chiens, me promener et rentrer chez moi, me préparer et sortir un petit peu. Pour faire un peu de pratique avec la voiture. Je commence les classes virtuelles à 7h30 et à 15h, j'ai fini ma routine avec l'école. Et maintenant, vous connaissez un petit peu plus de ma vie, ma famille et mon travail. Et comme vous avez pu regarder, j'adore les langues. J'adore les enfants et bien sûr, j'adore enseigner. Et c'est pour ça que je voudrais devenir une fille au père pour vous aider avec vos enfants, prendre soin d'eux, les enseigner les choses que parfois ils restent et les aider avec les langues et compléter l'éducation qu'ils reçoivent à l'école au lycée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et de m'écouter. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous donner les réponses. J'espère que vous allez passer une bonne journée et une bonne semaine. À la prochaine!